pas vous dire. Et tais-toi. Merci. Et bien sûr tout le monde, c'est Cédric. Aujourd'hui pour l'épisode 15 de la Secret Unity, on s'est arrêté pile devant la prochaine mission avec une montgolfière. Et sans plus de suspense, nous allons commencer. C'est parti. La fille de l'air. Tu vois, encore plus de noms, tu sais, pour donner encore plus par rapport à la mission, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que je vais en chier, mais c'est pas grave. Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Ah d'accord. Ok. Super. Ce soir, une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, hey, mais que faites-vous donc? Voilà. Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Ok. C'est parti. On coupe les cordes. Fais vite. Coupe-moi ça, vite. C'est bien. C'est bien, mais tu veux tirer dessus par contre. Ouais, j'ai fait tout rond. Pas de ma gueule, toi. Voilà, voilà, bon, on va couper. Et hop. J'appuie sur eh, c'est pas possible. Oh, les nerfs. Voilà, coupage de nuque. Et voilà. Allez, ferme. Prends garde. C'est bon, t'inquiète, tu t'emballes. Arnaud, je vais te rejoindre. Attends-moi. Où veux-tu que j'aille? C'est ça. Et maintenant, c'est parti pour du parcours. C'est vraiment très joli vu d'ici. Si tu voyais cette vue. C'est drôle. À quel dis-tu? Ne pas en forci. Tu ferais bien de te dépêcher. Je fais ce que je Merci peux. Merci du conseil. Allez, c'est parti. As-tu au moins réfléchi? C'est quoi, un moyen de redescendre? Ces problèmes ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes. Là-haut. Okay. Tu vas bientôt manquer de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. T'inquiète pas. J'ai bien l'intention de rire en te voyant t'écraser dans le fleuve. Wow. Dégage. Oh putain. Allez, 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 allez. J'ai pas l'intention de me fail, moi. Continue, continue, continue. Allez, saute. Allez, continue. Ah bah cool, elle les tue pour moi. Super. Elle les tue pour moi, ça c'est cool. Au moins pour une fois, tu sers quelque chose. Alors que là-bas, c'était moi qui te protégeais. Merci. Hop. C'est bon, j'ai compris, t'as envie de me rappeler deux fois. Et hop, continue. Par contre, d'avoir une putain de visée quand même, parce que c'est dans une montgolfière, comment elle fait, putain. Par où? Par là. Allez, Arnaud. Wow. Ok, c'est bon. Oh putain, bien entendu, il faut qu'elle passe de là-bas. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point de la tente s'est accroché. Tiens bon, descendez tout de suite. Besoin de prêtre. Ah. Allez, allez. Elle est coincée. J'arrive. Et hop. Allez, allez. On y est. Ok. Oh putain. Et on remonte qu'il ah est con lui aussi. Tout va bien? Ouais super. Wow. Wow.
Oh. Oh, bah. Quel hasard qu'il y ait encore une botte de foin. Arnaud ! Tout va bien ! Allez, continue. Arrêtez ! Je crois que c'est moi qu'ils sont en train de viser. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? C'est une longue histoire ! Du chaud. Manzai. Yep. Hey, oh, pardon, monsieur. Je fais que passer. L'air. Tu as l'intention de venir ou pas? Ah, c'est pas une montgolfière, c'est un aérostat. Je sais pas quelle est la différence. Mais voilà. S'il y a des experts. Arrête un peu de faire ton intéressant. Je suis pas moins intéressant, je fais ce que je peux pour te rejoindre. Dépêche-toi! J'arrive! J'ai failli me faire benlinguer là. Encore! Arnaud! Je ne peux pas la faire ralentir! Oh, mon Dieu. Allez! On s'approche du fleuve! Fais vite! Wow! J'arrive. Allez. Oh putain, le saut de malade. Mais c'était périlleux. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu... Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. Que c'est mignon. Payé 18. Format qu'on sait pas. Après on va voir comment il a fini. Après on sait pas. Aïe aïe aïe. Une virée en aérostat. Super. On refait ça quand tu veux. Non, on me dit pas qu'ils l'ont fait. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Bah, vaut mieux. Et là, je sais pas si... Attendez, est-ce qu'on va se faire interrompre? Non. Ah, voilà. Monsieur, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. C'est quoi ça? Un coup fatal. Il sort un peu trop à rien. Portée. Ça, je prends.
Oh merde, j'ai pas assez. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Je peux pas. Tant pis. Ok, accroche-toi. Tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Ok, bon. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... Vraiment, je sais plus. Ah bah, je suis fort, moi. Je lui ai dit un truc, mais voilà, je l'ai perdu. J'étais trop... trop pris dans le... tout amélioré ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oh, mais sérieux, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire, putain? Ah oui, c'est que... je sais pas comment est la version anglaise, américaine, espagnole et japonaise. Vous avez vu quand même que même sur les sous-titres, on a vu que la lettre qu'avait dans la main Arnaud est écrite en français. Donc je sais pas si Ubisoft a fait l'effort de laisser ça aux versions anglaises ou espagnoles. Mais s'ils ont fait ça, je trouve ça sympa parce que. Quand, par exemple, je prends l'exemple d'Assassin's Creed 2. Ils ont mis par exemple. Ezio des fois disait va bene ou grazie, voilà. Il disait des trucs en italien, alors que nous on l'avait en français, ils auraient très bien pu mettre ces paroles en français. Et je sais pas comment ça se passe pour les anglais, les espagnols ou quoi que ce soit, mais je sais pas, par exemple, une fois j'ai vu une bande-annonce en anglais de Assassin's Creed Unity, et si vous voulez, au bout d'un moment, il y a un civil, il dit merci monsieur. Merci monsieur, alors que c'était en anglais. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Parce que je trouve quand même que les qualités des langues, c'est super parce que oui, la plupart des vidéos qu'on voit, c'est en anglais. Hein. Monsieur, enfin, pour moi, après, voilà. Après, je m'en fous que ce soit anglais ou espagnol, je n'ai rien contre vous, mais voilà. J'avais envie d'aller me promener dans les jardins avec une amie. Ouais, désolé, tu voulais Ken aussi, c'est ça? Le mec, il se mêle de tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, attendez, est-ce qu'on peut aller voir les lettres? Parce que je sais pas, parce que depuis l'épisode que le premier épisode ou le deuxième épisode que je vous ai montré les lettres, je sais pas si si je vous ai montré, mais je pense que non. Elle est où la chambre d'Arnaud? Je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est là, celle des trophées. Ici peut-être, on va voir ça. Non, ça va en bas, ça. Il visite encore le café théâtre, le con. Je sais plus où c'est. Peut-être là-bas. Attendez. Ça, c'est la salle de combat. Ça, c'est les amis que du PlayStation. Parce qu'on faisait des amis. Putain, mais c'est où? Je sais plus. Non, c'est bon. D'ailleurs, toi, tu m'as cassé les couilles pour les entraînements. Parce qu'il faut le trophée. Pour avoir un trophée, il faut faire tous les entraînements de base. Enfin, il faut aller là et faire tous les entraînements pour avoir un trophée. Ah, voilà. Chambre d'Arnaud. C'est quoi ça? Ça, je m'en bats les couilles. Ah, voilà, ça. Là, assis-toi. Mon très cher Arnaud. Mon cher Arnaud. Je t'avoue que je ne sais par où commencer. J'ai été heureuse de te revoir, Sonnecreux. C'est un néant, incapable de transcrire la force des sentiments qui m'assaillent. Et pourtant, je suis heureuse. Heureuse que les assassins ne t'aient pas entièrement transformé. J'imagine que je ne devrais pas m'en étonner. Tu ne t'es jamais laissé facilement éblouir. Il semble que nos quêtes respectives visant à retrouver le meurtrier de mon père soient toutes deux dans l'impasse. Ensemble, peut-être pourrons-nous accomplir ce qu'aucun de nous n'est parvenu à réaliser seul. Il m'est agréable de penser qu'après tout ce temps, nous restons toujours plus forts ensemble que séparés. Bien à toi, Élise. Donc en gros là, il vient juste de remettre en coupe si vous voulez. Mon très cher Arnaud, je peine à appréhender tous les changements des trois dernières années. Jusqu'où nos parcours nous ont menés. J'ai parfois craint que nos chemins nous éloignent à jamais, ou au contraire nous opposent, comme les amants maudits d'une pièce de théâtre à trois sous. Nous ne sommes certes plus les inséparables effrontés de jadis, mais nous ne serons jamais des étrangers l'un pour l'autre. Que deviendrons-nous ? Quand tout ceci sera fini, quand Germain gira à nos pieds, quand mon père aura enfin trouvé le repos, mentor du maître des Templiers, sera-ce la continuité des vieilles traditions ou l'avènement d'une ère nouvelle?
Façonnerons-nous l'avenir du monde? Ou nous retirerons-nous à la campagne pour élever des chèvres? Je t'imagine en pâtre. Je suis sûre qu'aucune chèvre ne t'échapperait. J'ignore ce que nous apportera demain. Ni même les mois et les années à venir. Tout ce que je sais, c'est que nous resterons Arnaud et Élise. J'en suis heureuse. Je t'aime, Élise. Il est trop mignon. T'as que ça à dire? Moi je sais pas, j'en fais oh putain, tiens à moi quoi. Non sérieux. Est-ce qu'elle a dit par rapport au par rapport à l'avenir quand Jamin sera mort, mentor des assassins et grand maître des Templiers? Imaginez si ça arrive, ce serait tellement énorme. Bon, Syndicate est sorti, mais voilà, ça aurait été tellement énorme. Le couple parfait, mentor des assassins et grand maître des Templiers ensemble. Super. Bon, on va arrêter de parler de ça. Direction la mission. Elle a combien de pas? Attendez, elle est où là? J'ai pas un mode spawn à côté. Est-ce que j'en ai un? Ouais, on va spawn, allez hop. C'est vrai, puis c'est ça, ouais, c'est vrai. Montrer les assassins et remettre ton pied quand même ensemble, ça pourrait le faire. Hein. Quand on mettra fin à la guerre entre assassins et templiers. Pas encore. Vous allez me dire, les Assassin's Creed ne sont pas encore finis. Comme a dit Ubisoft, Ubisoft arrêtera les Assassin's Creed quand ils arriveront à notre temps. À moins qu'ils ont l'idée de faire comme Far Cry Primal, ils vont décider de faire des Assassin's Creed autour de la préhistoire. Et remarque, ça pourrait le faire en plus. Ouais, mais niveau stuff, il va falloir vraiment y aller doucement alors. Hein. Alors on aura un arc et tout. Ouais, ça pourrait le faire ça aussi. Assassin's Creed Primal, waouh. Mais ça pourrait le faire en plus, si on réfléchit bien. Mais bon. De toute façon, mon avis pour le prochain Assassin's Creed, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Ce débat est clos. Je le tente. Abélé, va qu'elle fly. Et hop. On continue. Je crois qu'on est au Châtelet là, je pense. Hop. C'est le mec qui révise tous les monuments de Paris, tu sais quoi. Aïe. Voilà. On continue. Je sais, il y a un peu en fond parce que je sais pas quoi vous parler à chaque fois. S'il faudra un sujet ou quoi que ce soit. Ah oui, aussi, il faut que je vous parle que. Pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine. Le samedi, je serai pas là parce que je dois faire un truc à mon lycée qui est très important. Donc je ne serai pas présent. Par contre, dimanche, je vous enverrai les vidéos. Je ferai pas de vidéo, mais voilà. Je vous enverrai des vidéos comme quoi je serai toujours là. Et aussi, un autre truc aussi. Bon, là, je peux pas trop le garder pour moi. Enfin, je vous pose déjà clairement. Je pars à Londres avec mon lycée. Ce qui est très super, qui moi n'a jamais voyagé en dehors de la France. Oui, je sais, je suis pauvre, je n'ai jamais voyagé hors de la France. Oui, je sais, n'engueulez pas. Mais voilà quoi, c'est la première fois que je vais en dehors de la France et j'aimerais bien voir à quoi ressemble Londres, Big Ben, tout ça. En plus, à mon lycée, on va voir plein de trucs énormes. Bon, je sais plus ce que c'était, mais voilà quoi. Donc c'est pour ça que comme je vais revenir le samedi soir et que dimanche, soit j'aurai la forme pour en faire une vidéo, mais par contre je vous en enverrai une. Et pour un nouveau let's play. Les nouveaux let's play, je sais pas quoi vous faire parce que j'ai pas trop de nouveaux jeux. Mais peut-être un autre truc, je sais pas. Il y a aussi Naruto. Oui, Naruto, c'est faut que je vous fasse aussi. Mais ça, bon. Voilà, je vous ai prévenu comme quoi je serai absent. Allez, c'est parti, dîner en ville. Si, j'aurais fait aussi une mission secondaire aussi, je suis con. Louvre, 20 janvier 1793. Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le marquis siège à la convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape?
C'est dégueulasse. Nulle force sur Terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier, que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence, Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Mais quel pervers! Et là, il te dit, oh putain, je vais me faire enculer. Non mais sérieux, un bouc qui sodomise un mec, quoi, mais c'est dégueulasse! Mais les mecs, il y a des idées, mais waouh, ça va loin. Oh là là, ces gens, ils sont totalement fous. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, les mecs. Je sais pas, il n'y a pas de cerveau ou ça se passe comment dans leur tête? C'est la fête ou quoi? Mais bon. On continue. Voilà, putain, je... Ah, voilà. Ah, déjà, on va déjà l'assassiner. Une livraison de vin pour le palais. On emporte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer si vite comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Merde, j'ai pas lu ce qui est pour une merde. J'ai pas lu, bon, c'est pas grave. Alors, point d'unité. Assassinat. Attends. Attention, assassinat. D'assassinat. Ça m'intéresse, ça. Here we go. Un truc pour nettoyer les vitres. On a vu un truc par rapport aux vitres. On va faire le tour pour voir. Je fais le tour, hein, comme ça on... Je fais le tour pour voir. Oh oh. Pourquoi ? Je voulais simplement t'arracher les oreilles. Bonjour. M'arracher les oreilles, pourquoi vous êtes aussi cruel, les gars? Hop. Ah, on a une opportunité là, à côté. L'Amérique se rangera à nos côtés. Oh, crois-moi que non! Comment en irait-il autrement? Nous rejetons le coup de la tyrannie. Enfin. Au début, on dit les Français, ouais, en Amérique, allez vous faire foutre, mais quoique. D'ailleurs, c'est grâce aux Américains en plus qu'on a, on a cette démocratie aujourd'hui. Ouais, c'est grâce à eux. Hein. Même s'ils se bougent pas le cul par rapport à là aussi, j'ai rien dit. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité par rapport à ça, vie de la merde, pati patata, voilà, je dis rien. Oh putain! Un seul verre. Je ne sais pas de quoi vous. Je fais ce métier depuis 30 ans, mon garçon. Ah, je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça te chante. Mais je n'en achèterai pas une goutte. Voilà. Je t'aurais pas venu, citoyen.
Arnaud, si tu fais le con, je pète un plomb. Voilà. Ah voilà. Et voilà. Vous n'avez même pas vu arriver. Malfaisant. Monsieur un agent d'un des comités. Une minute. Une fois que certains ont nommé quelle souveraine, ils ne leur font pas qu'une raison. Voilà, monsieur. Un château d'île 74. C'est sûrement sans importance. Un très bon souci, cherché. C'est l'heure de boire. Allez, meurs pour voir, on va rigoler. Ah merde, sa fille. Rien, ma chérie. J'ai l'estomac un peu dérangé. Va retrouver ta nourrice. Je vais te ramener. Je vous rejoindrai bientôt. Sauf que tu ne lui rejoindras jamais. Tu lui rejoindras dans la mort. Que vas-tu faire? Attends mon gros, j'arrive. Je veux te voir mourir. Allez, meurs. Mais non, parce que nous, la côté, on est en train de crever comme un chien. Venir me chercher. J'aimerais lui éviter un tel spectacle. Pas de problème. Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Tintintin. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Il a bugué. Bon, c'est pas... Bon, voilà. Tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est ça les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que je vais faire... Je fais la fin parce que... Je n'ai plus de kit vidéo, sinon ça va prendre des heures à finir. Donc, j'espère que vous vous a plu, j'ai passé un grand moment en compagnie. On se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, les gars, ciao tout le monde!